Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui et je suis très heureux de participer à un événement qui s'appelle la Grande Jonction parce que la jonction, c'est probablement le mot du 21e siècle. Vous avez ici à Bordeaux d'éminents acteurs des expériences immersives, des gens qui travaillent sur les conditions, les outils, les plateformes, les logiciels. Et donc la question, c'est celle-ci. Qui va imaginer les expériences immersives de demain et comment ? La cité numérique, enfin en tout cas à ce qui va devenir bientôt la cité numérique. En fait, l'idée première, c'était de se dire cet ancien centre de tri va devenir une cité numérique. Cette idée qu'on puisse reconvertir un ancien bâtiment à de nouvelles fonctions me paraissait extrêmement intéressant. C'est vraiment un lieu où toutes les forces se mettent ensemble pour créer un écosystème, ce qu'on appelle un écosystème. Et c'est aussi une des forces, je trouve, du projet, créer des lieux de rencontre. Alors c'est vrai que la labellisation de Bordeaux en métropole French Tech a été une très très bonne nouvelle et un accélérateur en fait pour les entreprises. D'abord, ça a permis à toutes les sociétés du digital et les startups en général de la ville de se rencontrer, d'échanger encore plus et de se compter. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille maintenant avec Microsoft et on a passé de nombreuses années à travailler avec eux sur le développement du casque HoloLens qui permet les hologrammes et le contenu numérique d'entrer dans le monde réel et donc de créer cette association entre réel et numérique. Et la réalité augmentée, quelque part, c'est l'outil qui permet d'implanter, d'amener cette information numérique directement dans l'usine. Et pour ça, on a des compétences en sciences cognitives, on a des compétences en design, design d'interface, design d'interaction, design d'expérience utilisateur. Il y a beaucoup d'atouts pour une entreprise du digital à Bordeaux. En premier lieu, les talents. Nous avons en effet beaucoup d'écoles de très bonne qualité, beaucoup d'universités. Ensuite, la ville attire énormément de cadres, énormément de personnes qui viennent d'un peu partout en France et même en Europe. Aujourd'hui, on est à peu près à des tarifs de coût d'installation pour une entreprise 3 fois inférieurs à ceux de Paris, par exemple, ou que la plupart des capitales européennes. Il y a énormément de restaurants, de vie autour des bureaux, parce qu'il n'y a pas que le travail, il y a aussi la possibilité le soir d'aller faire la fête, et ça c'est important pour tout le monde. Donc voilà, on a une association de qualité de vie, du coût de la vie qui est relativement abordable. Et tout en ayant un territoire dynamique avec un fort développement sur le numérique. Donc j'ai envie de dire que le digital et cette culture commerciale et internationale, ça fait plutôt un bon ménage.